En fait, c'est une expression que j'utilise. Je dois pas être la seule à l'utiliser. Fais confiance au chauffeur. Quand t'appelles à quelqu'un à te faire confiance ou à faire confiance à la situation, puis de se laisser aller, puis de dire, regarde, inquiète-toi pas, ça va bien aller. C'est un peu ça que ça veut dire. Fais confiance au chauffeur. Suis-moi, ça va bien aller. C'est un peu l'appel que je fais aux visiteurs de l'exposition. C'est de se laisser aller un peu, de même pas, même s'ils savent pas trop où ils se retrouvent dans l'exposition, s'ils sont entre l'abstraction, la figuration, entre le 2D puis le 3D, mais d'être capable d'essayer de se laisser aller à travers ça, puis pas trop de chercher à être en contrôle de la situation, de se laisser aller dans les dérapages hasardeux de ce qui se passe, comme la pièce en mouvement ou de se laisser aller dans l'information incomplète des tableaux, peut-être. Ouais, un chaos contrôlé, des fois, quelque part entre des systèmes déterminés, qui sont des images qui ont été développées avec l'imagerie du moteur, avec l'imagerie de la mécanique, qui sont quand même des systèmes très définis ou entre déterministes là, de leur nature. En les déconstruisant, bien, là, on se rapproche, ou en tout cas, j'essaie de me rapprocher d'une image plus chaotique, ou en tout cas qui correspond plus, selon moi, à la peinture, l'idée de la peinture en général, qui est un travail qui va se développer à travers le chaos, beaucoup. En tout cas, dans mon cas, ça va être, même s'il y a une partie de ça qui va être prédéterminée ou qui va... On part d'une image fixe, mais avec la peinture, on est porté, avec l'improvisation, les couleurs, les formes, les lignes, à rentrer dans un truc assez complexe, ou en tout cas, une imagerie plus complexe, plus riche, en tout cas, d'où il y a plein de choses qui peuvent naître. Entre le chaos et la structure, ben, il y a un lieu imprécis, ou en tout cas, en équilibre, qui je trouve qui est intéressant, où là, je sais pas encore comment l'appeler, si c'est d'équilibre ou une harmonie, où il y a une fragilité en même temps, mais il y a une vibration qui se passe, où il y a un état qui est pas fixe, mais qui est là quand même, ou en tout cas, c'est dans ces jeux-là d'entre-deux que j'aime opérer. C'est développé à travers ce travail-là qui est présenté, c'est que bon, les peintures sont faites, sont redécoupées en morceaux, représentées, remontées, sont littéralement faites de plusieurs modules. C'est l'idée qu'une œuvre peut être modulable, puis que chaque partie d'un tableau est faite un peu de manière détachée ou en pensant au tout du tableau, mais qu'on travaille par section souvent. Ou en tout cas, c'est cette idée-là que l'œuvre aussi peut exister. Pas juste dans son moment de création, mais que même dans son moment de présentation, elle devient modulable.